Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment configurer un KDFI en partant de zéro. Et moi, je suis plutôt content de faire cette vidéo. Ça fait longtemps que je veux faire une vidéo explicative des bases déjà du KDFI, comment on configure ça. À savoir que j'ai quand même pas mal d'expérience dans le domaine, mais non, je suis loin d'un professionnel. Donc je vais vous expliquer tout ce que je sais. Peut-être que je peux me tromper. Si vous avez de bons conseils à me donner, je suis toujours aussi preneur. Mais voilà, je vais vous expliquer déjà les bases, comment on configure pour faire démarrer la voiture, la faire rouler. Il faut savoir que quand vous commandez un KDFI, de base, il y a toujours des tables et des informations pour pouvoir faire au moins démarrer ou tourner le véhicule, mais après, c'est à peaufiner, évidemment. Là-bas, là-dessous, là, sur le moteur, il y a une sonde lambda wideband. Je vais sortir le tout, là. Non, ce n'était pas une boîte auto. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le KDFI, Bluetooth. Là, il y a les fils de la sonde lambda. Mais si vous commandez un KDFI, Bluetooth ou pas Bluetooth, faut toujours passer par la case sonde lambda au calculateur. Parce que sans la sonde lambda, vous n'allez pas aller bien loin pour configurer le calculateur. Aussi, de préférence, même si j'ai le Bluetooth, je vais configurer via l'USB. Tout simplement pour une question de réactivité. L'USB est beaucoup plus réactif. D'un point de vue moteur, il n'y a strictement rien à faire à part brancher le calculateur. Et c'est l'avantage du KDFI parce qu'il est plug and play. Pour, on va dire, pour 600 euros dans ces prix-là, vous avez un calculateur plug and play avec son lambda. Pour moi, pour l'instant, c'est toujours imbattable. Certes, il n'a pas les fonctionnalités du MaxEQ, principalement tout ce qui est anti-lag, sécurité de GT, sécurité d'AFR, mais il y a quand même la sécurité d'overboost. Voilà, mais sinon, franchement, pour le prix, c'est imbattable pour moi. Nouveauté, j'ai un capot tout neuf. Alors, vu qu'on va devoir quand même démarrer la voiture, et que la voiture est un peu bruyante, parce que, pour le rappel, elle a un silencieux Keke plus 1000. Voilà. Je vais soulever l'arrière juste pour changer le silencieux, histoire de ne pas faire trop de bruit, parce que bon, pour mapper la voiture et tout reste au début, ça demande d'être sur place et de démarrer quand même pas mal de fois la voiture, donc ça peut être bruyant. Donc c'est pour ça que là, je vais mettre un silencieux d'origine, pas BMW, mais d'origine Autodoc. Voilà le nouveau silencieux. On va passer de ça, enfin de ça là, à ça. Autant vous dire que ça fera quand même beaucoup moins Keke et sûrement beaucoup moins de bruit. Alors, est-ce qu'il y a le petit... Oh là là, il y a le petit pad d'origine BM. Il y a le petit pad, là. Regarde ça. Comme ça, t'abîmes pas la voiture. Tu mets ton clic. Voilà, voilà, voilà. Putain, il y a les cylindres blocs d'origine, là, sur la ligne. Ça aussi, j'ai jamais vu ça de ma vie sur une 36. En vrai, histoire de vous faire des confidences sous la voiture, elle est pas si mal que ça. Elle est pas très propre de l'extérieur, mais niveau châssis... Bon, à part le bac à batterie, évidemment. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Je ne m'attendais pas aussi bien. Bon, bah, une fois de plus, j'ai fait le con. J'ai acheté un silencieux qui se plug niveau silencieux, on est bon. Sauf que BMW, les accroches sont là. Et que, en fait, ce silencieux de merde, bah, il a pas l'accroche. Donc, je sais pas comment c'est censé s'accrocher. Mais du coup, il va falloir que je bricole un truc. Je vais pas me prendre la tête, là. Ça va être ghetto. Ouais, j'ai trouvé du câble. Comme ça, je pourrais moi-même tordre plus ou moins ou mettre plus ou moins de câbles pour voir comment je vais faire. Mission réussie, silencieux installé. Voilà, il tient avec des fils de fer, ça tient très bien. Là, ça tient par là avec le fil de fer. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un petit renfort ici. Là, le silencieux est plaqué par là et tenu par là. C'est deux systèmes de fils de fer différents. Donc, il y a un double système de fils de fer ici. Franchement, on se croirait dans Epave Land. Et c'est dur à le croire, mais ouais, c'est presque même. J'ai envie de dire que c'est du Epave Land tout court, là. Ensuite, une fois que vous êtes arrivé, vous êtes connecté en USB, donc, ou en Bluetooth sur votre calculateur, il faut aller dans Fichier, Projet Véhicule, ouvrir un nouveau projet, parce que là, du coup, on part sur un nouveau truc. On va l'appeler E36 Epave. Voilà. Et pour se connecter au KDFI, il faut faire détection, et c'est là où il va détecter votre KDFI, soit en USB, soit via le Bluetooth. Mais il y a un problème avec mon USB, je ne sais pas si c'est des câbles ou autre, mais en tout cas, j'ai l'impression que le câble USB ne marche pas très bien, ou il ne marche pas. Du coup, je vais passer par le Bluetooth. Voilà, le calculateur vient de trouver. Donc là, je le sélectionne, accepter. Après, j'ai plus qu'à faire suivant. Là, dans les paramètres, wideband, parce que j'ai une large bande, juste mettre les Celsius et tout le reste. J'y touche pas. Tout ça, là, j'y touche pas. Voilà. Suivant. J'utilise les affichages par défaut. Alors, normalement, il devrait se connecter d'ici une seconde. Voilà. Et je suis connecté au calculateur. Alors, comme vous pouvez voir, le papillon
Et position papillon ne marche pas. J'accélère, ça marche pas. Alors attendez, on va déjà tarer papillon et voir ce qu'il en est. Peut-être que papillon est débranché en fait. Ah putain, je me prends le jus sur cette caisse à chaque fois. C'est pas possible. Ah bah oui, en effet, le papillon est débranché. Ça risquait pas de marcher. Du coup, on est revenu, le papillon, là, il est à 0%, j'accélère, fond, 96%. C'est pas grave, de toute façon, ça sera suffisant. Alors là, il faut savoir que le calculateur est géré par le papillon. Donc c'est lui qui gère les tables. Vous avez les tables, normalement, l'axe vertical, c'est soit... l'axe horizontal, c'est toujours les tours minutes, pour gérer l'allumage, le boost, l'essence, tout ça. Mais généralement, l'axe horizontal, il y a plusieurs choix. Papillon ou autre. Alors là, actuellement, c'est papillon. Je vais vous expliquer comment configurer le calculateur pour gérer en fonction de la pression-dépression, donc au collecteur. Là, en l'occurrence, il n'y aura que de la dépression et 0 bar, parce que évidemment c'est un moteur Atmo. Je vais vous montrer comment configurer comme si c'était un turbo, parce que moi j'aime bien gérer de cette manière là, parce que même quand on lâche le pied, des fois le moteur il peut avoir plus ou moins de dépression, donc je trouve ça plus précis pour gérer le ralenti et gérer la table d'allumage et la table d'essence surtout. Donc là, on part, configuration de base, caractéristiques du moteur, carburant requis. Donc là, cylindrée du moteur, c'est pas du tout ça. La cylindrée, c'est un 2500. Voilà, si on est précis, c'est 2499, voilà. 6 cylindres, débit, alors on va mettre en CC, voilà, c'est les 182 CC d'origine. Donc là, c'est les injecteurs de 182 CC d'origine qui sont en 3 barres parce que c'est la rampe d'origine, tout d'origine. Ok, cible 14.7 d'origine, voilà, donc, ah, j'ai un 9 de trop là. Donc voilà, 2499 pour un 2,5 litres. 6 cylindres, les injecteurs de 182 CC, vérifiez bien d'être en CC et CC minutes. Ok, ce qui fait ça. Alors là, attention, c'est là où c'est super important. L'algorithme de contrôle, justement, là, il est en papillon régime. Donc, je disais papillon régime. Là, nous, on va passer en pression régime. Très important. Injection de cycle, tout ça, on touche pas, c'est un 4 temps. Tout ça, on touche pas. Mettre à jour. Voilà. Donc, vous voyez derrière la charge d'injection. Donc, là, elle marche plus en fonction du papillon, mais elle fonctionne, ouais, le papillon, je fais ça, mais elle fonctionne en fonction de la dépression. Là, elle est à 99,7 parce que c'est la pression atmosphérique, on doit être à 99,7 kPa, c'est-à-dire 0 bar. Caractéristiques des tables. Donc maintenant, c'est là où on va paramétrer les caractéristiques des tables, donc comment elles fonctionnent. Caractéristiques de la table primaire injection, donc c'est la table d'injection d'essence. Là, elle est en pression régime, donc ça, c'est bon. Là, j'utilise pas une seconde table pour une raison X ou Y. Toujours multiplié. Moi, j'ai toujours fait comme ça, ça marche. Ne pas inclure la cible AFR parce que je ne veux pas compenser pour le moment. Stratégie primaire d'allumage, papillon régime, ça c'est pas bon. On va passer en pression régime. Voilà. Ça, type d'AFR, bah, là aussi, on va utiliser la map, mettre à jour. Voilà, pour la configuration de base, c'est super important. Là, on est bon là-dessus. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est le reste. Donc, caractéristiques injecteurs, ça, je laisse par défaut. Si vous avez des injecteurs un peu plus particuliers, faudra les modifier. Vu qu'on a fait des modifications un peu importantes d'un point de vue calculateur, il faut faire au démarrage. Pour ça, il suffit d'enlever le contact une fois, on perd le calculateur, on remet le contact, ça va revenir, et on va retrouver le calculateur au bout d'une seconde. Il y a toujours une petite latence le temps que ça se reconnecte. Évidemment, là, je suis en Bluetooth. La latence serait moins... Enfin, ça serait plus rapide de se reconnecter si j'étais en USB. Là, j'attends un petit peu. En USB, ça aurait été presque instantané. Alors que là, ça fait... C'est même presque long, là. C'est revenu. C'était long. Paramètres de l'allumage, rouphonique, rouption, c'est tous les paramètres de la roue dentée, ça n'y touchait pas. Sur quel FI sont bien configurés normalement. Table d'injection VE. Là, c'est vos tables d'injection d'essence. Donc ça, c'est la table d'allumage, table d'un machin. Ça, c'est la table d'avance. Voilà le topo. Alors là, il faut remodifier un petit peu parce que là, du coup, on est quand même bien différent. Voilà. Là, j'ai revu ma table d'essence, elle va pas bouger. Là, j'ai revu un peu la table d'allumage pour l'adapter. Vu qu'on a changé de manière de fonctionner, donc plus avec le papillon mais avec la dépression, on va tout revoir de A à Z. Donc les deux tables là, autant l'allumage ça peut le faire, autant l'essence, je suis sûr certain que ça le fera pas. Là c'est les autres paramètres, c'est pour lisser les valeurs, ça on n'y touche pas d'origine normalement. Limitateur de régime, là il est à 6500 comme sur un M50 d'origine, donc on ne va pas y toucher. A savoir que les non-vanos comme le mien, normalement, vous pouvez monter jusqu'à 7500 sans problème, même s'il n'y a pas vraiment d'intérêt, à part de retomber pile poil sur le 6000 pour avoir vraiment la puissance complète.
parce qu'au-dessus de 6000, la courbe de puissance tombe, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ça, c'est ce qui permet de contrôler la combustion et de rouler plus économique. C'est-à-dire que si vous êtes à 13 AFR, bah, ça, automatiquement, le calculateur va compenser votre AFR pour avoir le bon AFR désiré. Donc là, il y a tous les paramétrages liés au contrôle du ralenti, au démarrage à froid, démarrage à chaud, donc tout ce qui est démarrage et ralenti, tout se trouve là-dedans. Là, c'est l'enrichissement et l'accélération. Donc, quand vous accélérez d'un coup, comment est-ce que si vous accélérez à 20%, mais rapidement, en fait, c'est pas une question d'appuyer fort ou lentement, c'est une question de rapidité d'accélération. Donc voilà, vous ouvrez le papillon à 20% d'un coup, combien d'essence je dois mettre immédiatement pour que le moteur fonctionne bien et qu'il soit réactif à tout moment. Là-dedans, il y a plein de trucs, donc les sorties programmables pour gestion du boost, ventilateur supplémentaire, correction paramétrique, avance à froid. Voilà. Là-dedans, il y a plein de paramètres supplémentaires pour améliorer ou pour avoir des fonctionnalités supplémentaires pour le fonctionnement du moteur ou plein de choses comme le NOS, le passage pied-plancher, la coupure d'injection décélération pour quand vous lâchez les gaz, pour arrêter d'injecter de l'essence pour rien parce que vous êtes en décélération, vous n'avez plus besoin d'accélérer. Là, pour le moment, on va vraiment se concentrer sur ces deux premiers onglets, c'est-à-dire le démarrage et le fonctionnement du moteur. Plus petit tips, c'est vraiment très pratique d'avoir un accoudoir parce que du coup, bah, vous avez un petit support pour travailler sur votre ordinateur. Là, pour le démarrage ralenti, je vais vous expliquer les différents paramètres. Alors là, paramètres super pratiques, surtout quand on démarre, quand on map, tout ça, c'est de dire le régime démarreur. Alors, généralement, il est plutôt autour des 250 tours minutes. Après, franchement, ça dépend vraiment de votre démarreur. Celui-là, on va checker après, parce que je n'ai aucune idée. S'il faut, vu le bruit qu'il fait, il prend plus ou il prend beaucoup moins. Stratégie de nettoyage. En fait, ça veut dire que, par exemple, comme vous pouvez voir à l'écran, quand j'appuie à plus de 70%, donc vous voyez, 20, machin, voilà, dès que je dépasse les 70%, donc au-dessus de 70%, donc à partir de là, si je veux mettre le démarreur et que j'enclenche le démarreur, la voiture va faire de l'étincelle, parce que pour dénoyer, elle met les étincelles, mais elle n'injectera pas plus d'essence. L'injection d'amorçage, alors ça, c'est une injection qui se fait avant, vous voyez, ça prend, enfin, ça s'appelle mouillage d'ailleurs, c'est une injection qui se fait avant, quand vous mettez le contact, les injecteurs s'ouvrent un tout petit peu pour mouiller les cylindres. Il doit avoir un intérêt. Moi, franchement, j'aime pas du tout ce truc-là. Alors, en général, je mets toujours à zéro. Injection sur le démarreur, ça veut dire combien d'essence on envoie sur le démarreur. Voilà. Si vous démarrez votre voiture, elle a démarré, mais pas assez. Si vous voyez, par exemple, comme là, vous avez un AFR 18.9, c'est que vous avez trop d'air, donc votre démarreur, il n'envoyait pas assez d'essence. Si à l'inverse, comme ça nous est arrivé sur le démarrage de James, elle démarrait plus après, parce que on avait un AFR aux alentours des 10, c'est que vous avez noyé votre moteur et votre démarreur, il envoyait trop d'essence. Donc voilà, il y a plein de... Voilà, c'est vraiment quand le démarreur tourne, combien d'essence le moteur il envoie. Enrichissement après démarrage, donc il y a un petit temps, il y a une table là, celle-là, elle marche avec cette table-là. Donc c'est... Pendant les premières, secondes après le démarrage, la voiture met un peu d'enrichissement pour tourner riche, pour stabiliser le moteur. Ça, c'est le temps que va durer en fonction de la température. Et ça, c'est combien il va enrichir en fonction de la température. Au démarrage, donc ça, c'est la vanne de ralenti. Combien elle est ouverte en fonction du démarrage, tout simplement. Là, après, on a la table du ralenti. Donc ça, c'est la vanne de ralenti, comment elle s'ouvre en fonction de la température. Enrichissement, réchauffement moteur. Donc c'est la richesse du moteur, donc là on va passer le moment du démarrage, on passe l'estompement de la richesse, ça c'est vraiment l'enrichissement du mélange en fonction de la température, parce qu'évidemment un moteur qui est plus froid a besoin de plus d'essence. Le rendement moteur, un bon rendement moteur pour un M50 par exemple, c'est aux alentours des 90 degrés, et avant, bah elle a une perte, là c'est pas le rendement moteur, il est pas bon quand le moteur il est à 18 degrés par exemple, donc il faut envoyer plus d'essence. Bah pour tourner tout simplement. On va se tenter de démarrer la voiture. Alors je sais que habituellement elle est ultra compliquée à démarrer cette voiture et je ne sais pas pourquoi, donc on va essayer de voir. Alors injection sur démarreur. Là, sur le démarreur, je vais envoyer 1000. Donc 1000, je sais pas quoi ça représente. C'est peut-être une valeur un peu aberrante d'ailleurs. On va arrêter ça. On va mettre 800. Bon, on va tenter de démarrer, on verra ce que ça donne. Donc là, comme vous pouvez voir, je tourne très très riche. Et voilà, là j'ai perdu la connexion parce que le wifi bug. Donc la voiture a plutôt très bien démarré, malgré tout. Donc là, on va retenter de démarrer. Je vais quand même baisser le ralenti parce que de manière générale, il est trop haut. Alors, ralenti, table. Donc c'est via cette table-là. Là, on va mettre tout de suite 46 sans problème. On va mettre 42 aussi. Et puis après, on avisera. On va se retenter un démarrage et on va voir ce que ça donne.
Bon, et là, c'est le problème, je viens de perdre la connexion avec le KDFI parce que j'ai envoyé trop de modifications. On va écouter le bruit quand même, en attendant que ça se reconnecte. Le voltage, il est où? Et là, non, le voltage de la batterie, très bon. Donc bon... Je pense être lié au relais qui se coupe, qui met un peu de temps. Donc là, j'ai stabilisé ralenti. Vous voyez, bon, au niveau richesse, on est très riche. Je baisse de manière générale. Mais j'y vais tranquillou parce que dès que je fais beaucoup de modifications de valeur, ça fait beaucoup d'infos qui sont envoyées. Et souvent, ça amène à que ça coupe. Bon, cette table, j'avais revu la table d'allumage. Il faudra que je revoie la table d'essence parce que aussi, c'est mal échantillonné d'un point de vue pression-dépression. Là, toute la partie qui est en dessous de 15, on n'y tiendra jamais, donc je pourrais avoir plus de valeur et avoir des charges beaucoup plus précises. Et bien écoutez, déjà on a un ralenti qui est très stable, 900 tours minutes, sans rien faire. Hein. J'ai pas touché, j'ai pas mis d'allumage particulier, là j'ai juste démarré, la voiture tourne très bien. Ah oui aussi, j'ai installé la petite lame là, au moins ça fait beaucoup plus propre d'aspect derrière. Ah, le spal a pas encore pris. J'ai mis un spal tout neuf aussi là. On est arrivé à démarrer la bébête. Elle tient un ralenti plus ou moins stable comme vous pouvez l'entendre. La voiture fait pas trop de bruit. Voilà pour la configuration et démarrage du KDFI. Concrètement, il n'y a pas plus de choses à faire réellement. J'en ai vu pour stabiliser tout le reste. Moi, je vais retravailler un gros coup sur la carto. C'était la petite vidéo sur le KDFI, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions techniques ou autres, ou des requêtes pour une vidéo dédiée à ce sujet-là, même si j'en ferai, n'hésitez pas. On se retrouve dans une prochaine vidéo avec cette voiture, où je finirai de la restaurer avant de prendre la route avec. Voilà les gars, allez à plus, ciao ciao.